Salut à tous, j'espère que tu es bien, c'est Magivision et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tour d'illusion avec des cartes. Un tour d'illusion qui est très 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 impressionnant. En tout cas, vraiment, j'espère que tu l'aimeras. Et c'est un tour qui a un très très gros impact envers le spectateur. Leur réaction est juste incroyable. Donc voilà, j'espère encore que ce tour te plaira. En tout cas, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne Magivision, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles et prochaines vidéos. Et je te lis tout de suite pour avoir l'explication de ce tour si tu veux le savoir. Il faudra 8 likes. Donc n'hésite surtout pas à liker si tu veux avoir la solution du tour. Et puis moi je te dis bonne vidéo et bonne démo de ce tour. C'est un jeu tout à fait banal d'un côté comme de l'autre. Et on va bien évidemment le mélanger de cette façon. On mélange le jeu de cette façon pour être sûr que le spectateur se doute, par exemple, que le jeu soit truqué ou etc. Donc on a bien mélangé, je lui ai montré les cartes au début, donc tout va bien jusqu'à maintenant. Rien de truqué. Donc je demande à mon spectateur de choisir une carte, par exemple. Donc je demande à mon spectateur, exemple, celle-ci, pourquoi pas. Bon, cette carte. On va marquer la signature de la chaîne. LL. Donc voilà. Et je vais défiler les cartes de cette façon. Et le spectateur peut me dire stop vraiment quand il le désire. Donc stop. Ici. Donc ici se trouve sa carte. Présentement. Voilà, de cette façon. On va bien mélanger. Voilà, de cette façon. Et là, on sait que sa carte n'est pas sur le dessous. Donc je dis à mon spectateur, est-ce que c'est votre carte? Il me répond non. Donc, on est d'accord que sa carte, c'est pas le 4 de carreau, malheureusement. Donc, c'est pas celle du dessus non plus. Et c'est pas celle du tout. Ok. C'est pas ces deux cartes. Regarde bien. Donc c'est pas le 4 de carreau. Donc c'était pas le roi de cœur en première position. Et c'était pas le roi de carreau. Un peu franchement. Est-ce que c'est sa carte? Et moi je pense que oui. C'est le 7 de pique signé par le spectateur. Et le jeu peut être examiné par la suite. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne Magivision, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles et prochaines vidéos, et de mettre 8 likes pour avoir l'explication de ce magnifique tour d'illusion, une carte qui est incroyable. Moi personnellement, c'est un de mes tours préférés et c'est un tour que je fais très souvent au spectateur. Donc voilà, et l'impact est juste incroyable. La face du spectateur, c'est wouh. Enfin bref, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles et prochaines vidéos. Allez.